Salut tout le monde, je vous retrouve pour la première fois dans le fourgon aménagé, ça y est, parce que on part en concours sur 2 jours avec Hera, les chiens sont bien sûr de la partie et du coup on va dormir en fourgon, c'est trop cool, j'ai trop hâte. Je suis refaite juste parce que je vais dormir dans le fourgon enfin. Et voilà, évidemment, on vous amène avec nous. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Chacha. Bah oui mon cœur. Tu veux une pomme? C'est pas le paradis de voir son poney par la fenêtre. Une petite révision du soir. 8h20. Tranquillou en train de lire. Avec ma boubou. Et puis la napo qui est déjà couchée. Et ben. Bonne nuit tout le monde. Allez, 7h, faut se réveiller. Il y a déjà des gens qui sont en train d'arriver. Bon, je passe qu'à 10h. Note à moi-même, s'il fait 10 degrés dehors, tu laisses pas le fourgon ouvert jusqu'à ce que tu te couches. Parce que sinon, dans le fourgon, il fait 10 degrés aussi. Il est un peu froid. Préparation du café qui réchauffe. Je me fais un petit déjoli, les gars. Trop bien. Petite ration pour le doudou. Et puis, je vais natter. Je pense qu'il n'y a qu'à moi que ça peut arriver. Je me suis pris le jus. Ici. Parce que j'ai avancé, j'avais pas vu le fil. Le piontage du poney est en cours. Bon, les pions c'est fait. Maintenant, on va faire la queue. Le poney est natté. On ressort les chiens. Tranquillou. Maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Petit déj et je me reprends un café, bien sûr. Chaud patate, la détente au milieu des obstacles. Les poitres sont détendues.
on avance. Après l'effort, le réconfort. On détresse quand même. Hop là. Bon, je vais essayer de vous raconter en même temps que je range le bordel pour pas perdre trop de temps. Globalement, eh ben c'était bien. Il m'a fait une club 2 super. Pas de faute. Après, pas extraordinaire, pas brillant, pas hyper rond, pas hyper cheval de dressage, mais très très propre. Il était vraiment agréable à monter. J'étais plutôt contente, on va voir ce que ça donne sur les notes. Après, je m'attends pas à un truc de fou, mais c'est cool. Et là, sur la RLM, un peu déçue, il fait une grosse faute puisqu'il me fait un départ à faux. Et derrière, ça me décale dans ma musique, et donc du coup, en fait, je cours après la musique derrière. C'est dommage parce que le début était extra. On va voir ce que ça donne. Bon, vous avez remarqué que j'arrive pas à ranger en même temps que je vous parle. Je vais essayer. Donc voilà, là, on attend la remise des prix et puis on va rentrer tranquillement à la maison. On a 2h30 de route. Voilà, je pense, je suis pas sûre de manger ici. Peut-être que je mangerai un peu plus tard. Je sais pas. Donc on attend la remise des prix. On attend surtout les protocoles parce que c'est vraiment ça qui est important. Le classement, on s'en fout. Et on vous raconte. Allez. Oui, extra mon gars. Très bien, bonhomme. Attention. Super. Allez, on est arrivé, coucou doudou, ça a été le voyage.
bien le long. Encore un peu. Super, mon cœur. Ben oui, on est à la maison. Allez, une petite ration pour Doudou pendant que je gare le vent et que je range les affaires. Allez, on gare le vent. Je déteste le bruit de la marche arrière. Ça bip tout le temps. Voilà. Retour au pré pour le gros loup. J'ai fini de ranger les affaires, il a mangé sa ration. Et du coup, une fin de journée à 15h30, c'est plutôt chouette. Et mon gros loup, tu vas aller retrouver tes copains. Au revoir, à demain Doudou. Bonjour à tous, comme vous le voyez à ma tête, c'est la moi du lendemain. Je voulais juste finir cette vidéo proprement parce que hier quand je suis rentrée, j'étais rincée et du coup... Je n'ai pas pris le temps de clôturer cette vidéo. On a eu les protocoles. Pour moi, la note de la RLM est correcte. Elle correspond à ce qu'on aurait dû avoir. On a 64,75. C'est relativement cohérent avec encore une super note en artistique, mais moins bien en technique. Par contre, la note Grand Prix, je suis un peu déçue parce qu'on a 59,75 et j'aurais bien aimé avoir 60. C'est toujours plus qu'il y a 2 semaines, il y a quand même du progrès, mais voilà, un petit peu déçue. Mais globalement, c'était quand même un bon concours, il a eu un comportement top. Et pour un premier concours en tête-à-tête, c'est cool. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.